Dans le cadre de l'examen des questions de mobilité d'un point de vue géographique, nous allons aborder aujourd'hui le cas français et les enjeux en termes de transport et d'aménagement que génèrent ces mobilités. Sur cette photographie, nous apercevons ici le viaduc de la Savoureuse qui se trouve en Franche-Comté. Avec 792 mètres de long et une hauteur maximale de 32 mètres, ce viaduc est l'ouvrage d'art le plus important de la ligne grande vitesse Rhin-Rhône. On voit également sur cette image que ce viaduc enjambe une autoroute à proximité duquel on semble apercevoir une plateforme logistique. Cette photographie illustre donc la capacité de la France à disposer d'infrastructures de transport permettant de relier rapidement les différents pôles de l'Hexagone. Ici, une autre photographie. Nous sommes cette fois au centre-ville de Bordeaux où l'on aperçoit deux cyclistes traversant devant un tramway. Cette photographie évoque ainsi d'autres types de mobilités, des mobilités urbaines d'une part, et puis des mobilités également plus douces, moins polluantes, moins nocives pour l'environnement. En effet, si la question des mobilités est aujourd'hui une question importante dans des sociétés et des économies modernes, les flux qu'elles génèrent nous amènent également à réfléchir autour de la notion de durabilité, notion extrêmement importante pour des sociétés confrontées à un certain nombre d'impacts négatifs sur le plan environnemental. Et pour commencer cette étude, nous allons évoquer une population française que l'on peut qualifier aujourd'hui d'hypermobile. On peut identifier trois types de mobilité aujourd'hui en France, trois types de mobilité depuis le lieu de résidence des Français. D'une part, la mobilité alternante, quotidienne, vers des lieux de travail, de loisirs ou de consommation. D'autre part, la mobilité résidentielle, qui consiste à changer le lieu de sa résidence. Et enfin, la mobilité touristique, mobilité vers les lieux de loisirs. On voit sur cette carte ici les mobilités pendulaires actuellement en France, des mobilités qui s'effectuent largement à travers l'utilisation de l'automobile, des mobilités qui sont en moyenne de 15 km et qui tendent à se concentrer autour des grandes métropoles, qui peuvent parfois s'effectuer sur des distances plus longues. Cette carte nous présente quant à elle les mobilités résidentielles, des mobilités qui font apparaître des inégalités territoriales. On note ainsi une forte attractivité du sud-ouest de la France, globalement de la moitié sud, mais aussi du littoral atlantique à partir de la Bretagne, de l'Alsace et de la Corse, également avec le cas particulier de l'agglomération parisienne, puisque celle-ci représente finalement un territoire très attractif, mais si on regarde plus précisément, c'est un territoire dont on part également beaucoup. Alors, moins attractifs sont les territoires d'une moitié nord intérieure du pays, avec en particulier un quart nord-est du côté de la Lorraine, des Ardennes qui semblent en déprise. On notera également que les dynamiques résidentielles apparaissent plutôt négatives pour ce qui concerne les DROM, les départements et régions d'outre-mer. Enfin, les mobilités sont aussi touristiques. Dans un pays, la France, qui, vous le savez, est le pays qui accueille le plus de touristes dans le monde, des touristes qui viennent largement des territoires européens qui se situent à proximité. Ces flux touristiques étant également générés par les Français eux-mêmes, alors ce qui a été particulièrement vrai pendant cette pandémie de Covid, et des flux touristiques qui se concentrent dans certains territoires, comme on peut le mesurer sur cette carte. On retrouve ici l'attractivité du pôle parisien, l'attractivité des grandes villes françaises également, et puis des littoraux, avec en particulier le sud de la France, où l'aire d'attractivité des littoraux apparaît plus étendue. On remarque également les régions montagneuses qui attirent les touristes, particulièrement pour les sports d'hiver.
On notera également une attractivité des départements et territoires d'outre-mer, alors qu'est plus vrai pour les Antilles, un peu pour la Réunion, beaucoup moins pour la Guyane. Alors afin d'accroître la mobilité des Français, eh bien, les transports se sont modernisés, se sont adaptés à ces besoins nouveaux des populations. Une modernisation des transports qui a permis de réduire considérablement, par exemple, le temps de parcours en train entre Paris et Bordeaux, 6h25 en 1932 et puis seulement 2h04 depuis 2017. Une modernisation du transport ferroviaire qui a également accompagné un meilleur quadrillage du territoire qui passe d'un réseau en étoile centré sur Paris à un réseau plus maillé où les différents grands pôles urbains français sont davantage connectés les uns aux autres sans avoir nécessairement à passer par la capitale. Alors pour autant, on le remarque ici, le réseau des lignes à grande vitesse est quand même toujours structuré depuis Paris et un certain nombre d'espaces finalement ne bénéficient toujours pas de ce réseau. On mesure ainsi sur cette carte que l'accès aux lignes à grande vitesse a permis de considérablement rapprocher un certain nombre de métropoles de l'agglomération parisienne, ce qui n'est pas le cas, bah, pour toutes celles qui échappent finalement à ce réseau. On peut le mesurer notamment à travers les exemples de Tours et Orléans, Tours située bien plus au sud de Paris, mais qui, grâce au bénéfice d'une ligne à grande vitesse, se retrouve finalement à 1 heure de la capitale, tout comme l'autre grande agglomération de la région Centre-Val de Loire, qui, elle, ne bénéficie pas d'une ligne à grande vitesse. Alors ce réseau ferroviaire auquel il faut ajouter le réseau autoroutier, ce réseau autoroutier qui a permis un meilleur maillage du territoire, puisqu'on l'a vu, ce n'est pas encore le cas à travers le réseau des lignes à grande vitesse, et bien tout ce nouveau réseau des transports finalement bénéficie majoritairement aux grandes métropoles françaises qui se trouvent ici bien reliées les unes aux autres, tandis qu'un certain nombre de zones rurales intérieures se trouvent plus isolées, notamment au centre de la France. On voit ici notamment une concentration des zones situées à plus de 30 minutes d'une autoroute ou d'une voie express au sein du massif central. Mais c'est vrai aussi d'autres régions montagneuses, des Alpes, des Pyrénées ou de Corse. Alors ajoutons qu'en termes de mobilité, les métropoles bénéficient d'un autre avantage, celui de la présence d'un réseau de transport en commun développé qui facilite ici la mobilité de ses habitants. Mais un avantage qui est bien sûr à contrebalancer par la présence de nombreux embouteillages, avec en la matière une domination non enviable de l'agglomération parisienne, mais aussi de gros problèmes, comme vous voyez ici à Bordeaux, qui est pourtant une métropole de taille bien moins importante. En termes de réseau de transport, la France est également bien connectée sur le plan du transport aérien, avec notamment la présence dans l'agglomération parisienne de l'aéroport de Roissy, qui est un hub international. Alors on entend par hub, hein, une plateforme de redistribution par laquelle donc on passe pour être ensuite réacheminé vers d'autres destinations. Donc ce hub de Roissy apparaît ici au 10e rang mondial, au 2e rang européen, derrière l'aéroport de Londres Heathrow, et avec un trafic croissant. Alors bien sûr, on notera que ces chiffres ici ont été réalisés en 2019 avant une remise en question, on va dire, de l'efficience du transport aérien, notamment à travers la crise du Covid. Donc Roissy est le principal hub français, largement ouvert sur l'international et qui accueille de nombreux voyageurs venus du monde entier. On trouvera également plus au sud de l'agglomération parisienne un autre aéroport international qui est celui d'Orly, et puis des aéroports secondaires peu partout en France qui sont ouverts également sur l'international.
Donc le réseau des transports structure le territoire français, faisant des grandes villes les principaux nœuds de communication à travers notamment la présence de pôles d'échange multimodaux, c'est-à-dire des pôles d'échange qui connectent différents modes de transport. On voit ici l'exemple du pôle multimodal de Roissy, où l'aéroport est connecté à d'autres réseaux de transport, voies rapides, autoroutes, encore RER et métro, qui eux-mêmes vont relier ce pôle au réseau ferroviaire national. Alors on a ici un autre pôle multimodal qui est axé sur le transport urbain au Mans, où on aperçoit à la fois la gare ferroviaire, la gare routière, une station de tramway, un parking relais et un parc de stationnement pour vélo qui n'apparaît pas sur la photo mais qui est bel et bien présent. En définitive, on peut considérer que la France est structurée autour de trois axes qui concentrent l'essentiel des flux. Deux axes européens nord-sud passent ainsi par la région parisienne et traversent la France. Un conduit de Lille à Biarritz via Bordeaux. Et un autre relie Paris à Marseille via Lyon, pôle que l'on peut également prolonger jusqu'au Havre, qui est ici le principal port d'entrée de l'agglomération parisienne. Des ports français qui peuvent être importants, comme celui de Dunkerque, du Havre ou de Marseille, mais qui n'ont pas la capacité des grands ports du Benelux, que sont Anvers et Rotterdam, et en réalité, une bonne partie du trafic de marchandises français passe par Anvers plutôt que par les ports nationaux. Enfin, on trouve un troisième axe au sud, qui cette fois ne passe pas par Paris, qui relie l'Italie à l'Espagne via Nice, Marseille ou encore Montpellier. Mais on notera que cette carte fait aussi apparaître de forts contrastes qui opposent les grandes métropoles, les grands axes de transport aux espaces de faible densité qui se trouvent en marge de ces grands axes, que ce soit des espaces ruraux ou montagneux. Alors après avoir examiné quels étaient les différents flux de cette mobilité de la France et des Français, eh bien nous allons nous questionner sur les enjeux de ces mobilités, de ces transports, les enjeux notamment en termes de développement durable. Alors il faut rappeler ici ce qu'est le développement durable, c'est-à-dire un développement qui finalement ne se fait pas au détriment de la capacité des générations futures à assumer le leur, et puis aussi un développement qui repose sur trois pôles, le pôle environnemental bien sûr, mais aussi les pôles économiques et sociaux, un développement qui se veut donc équilibré. La question du développement intègre donc celle du développement et des capacités du réseau de transport français. Un réseau qui doit, pour être efficace, être entretenu, modernisé, ce qui est relativement le cas en France grâce à d'importantes dépenses publiques, des dépenses qui génèrent en retour une attractivité du territoire pour des investissements étrangers qui sont certes soucieux de trouver des coûts de main-d'œuvre attractifs, mais qui sont aussi soucieux de pouvoir acheminer les produits dont ils ont besoin ou qu'ils exportent. Et pour cela, un réseau de transport performant est absolument indispensable. Et donc, à ce titre, la France bénéficie d'un réseau de transport performant, dense, ouvert sur l'étranger et notamment sur les partenaires européens qui sont, d'un point de vue économique, les principaux partenaires du territoire français. Le réseau des lignes à grande vitesse a en particulier été conçu pour s'ouvrir sur les voisins européens, comme vous pouvez l'apercevoir sur cette carte. Alors, par ailleurs, les acteurs du transport cherchent à adapter leur offre aux besoins accrus de mobilité, et notamment en essayant de réduire leurs coûts pour favoriser des prix plus attractifs. La SNCF propose ainsi, à travers son réseau Ouigo, des prix plus modérés. Elle propose également à travers Ouibus une alternative aux lignes à grande vitesse, aux trains, alors plus long en termes de trajet, mais aussi plus accessible en termes économiques.
Alors, une attractivité des prix qui s'est particulièrement développée dans le transport aérien, transport plus ouvert à la concurrence, et qui a vu se développer de nombreuses compagnies low cost, comme ici EasyJet ou Ryanair, qui concernent le territoire français. Mais cette recherche à tout prix de l'attractivité des prix peut aussi avoir des conséquences négatives en termes de qualité de service, conséquences négatives également en termes de rémunération, de conditions de travail des employés du secteur. Par ailleurs, la volonté de développer les infrastructures de transport sur le territoire se heurte de plus en plus à des contestations diverses. On le voit ici sur cette carte où des projets ont été annulés, comme ce fut le cas par exemple pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à travers ici la construction d'une ZAD sur le site pour manifester le rejet d'une partie de la population locale et nationale vis-à-vis de grands projets considérés comme finalement coûteux sur le plan des conséquences environnementales notamment. Et plus globalement, un développement des mobilités et des transports qui est au cœur des problèmes de réchauffement climatique, d'émissions à gaz à effet de serre. En la matière, les modes de transport ne sont pas égaux. On mesurera ici notamment que le transport aérien est particulièrement émetteur de CO2. Le transport routier, globalement, pose problème. Des émissions de CO2 qui diffèrent aussi pour un même mode de transport. On voit par exemple que les voitures particulières dans le périurbain sont moins génératrices de CO2 que les voitures particulières dans l'urbain qui sont plus soumises aux difficiles conditions de trafic et aux embouteillages. Alors face à ces nuisances, eh bien des solutions existent et peuvent être encouragées. C'est le cas bien sûr du covoiturage qui tend à se développer avec différentes initiatives comme BlaBlaCar. C'est le cas également de l'utilisation de voitures électriques ou de vélos en partage. Ici l'exemple des Vélib. C'est le cas aussi bien sûr d'une mobilité douce dans laquelle il faut bien sûr inclure la marche à pied particulièrement utilisée par de nombreux urbains pour se déplacer. Les solutions passent aussi par des décisions d'aménagement. Des plans de déplacement urbains, PUD, sont ainsi mis en place pour limiter la circulation des véhicules polluants. Différentes opérations d'aménagement sont ainsi entreprises dans les quartiers, que ce soit la piétonnisation, la construction de voies de circulation réservées au transport collectif pour le rendre plus attractif, la construction de trams, de pistes cyclables qui privilégient ici des modes de transport moins polluants, et puis aussi la réalisation, on l'a vu tout à l'heure au Mans, de plateformes multimodales qui permettent de passer d'un mode de transport à l'autre en privilégiant ce qu'on appelle les mobilités douces, c'est-à-dire des transports moins nuisibles à l'environnement. Alors il faut inciter, il faut aménager, mais il faut aussi réglementer pour limiter les dégâts environnementaux, des réglementations qui peuvent être mises en place de façon circonstancielle, en cas de pic de pollution par exemple, avec des circulations alternées, des transports en commun gratuits. La mise en place de péages urbains également pour limiter l'arrivée des voitures dans les centres-villes, solution qui a le désavantage d'être discriminante. Des vignettes également qui peuvent être mises en place pour pénaliser les voitures les plus polluantes, mais là aussi, acheter une voiture qui le soit moins, c'est acheter une voiture souvent plus coûteuse, d'où également des discriminations sociales. Tout ça nous amène à évoquer les inégalités face au transport, puisque la question sociale est une question centrale dans le questionnement sur le développement durable. Et on constate ainsi que les navetteurs, c'est-à-dire les personnes concernées par les migrations pendulaires entre le domicile et le travail, ont tendance à effectuer des trajets de plus en plus longs à mesure que le temps passe.
un phénomène qui est à mettre en relation avec le coût de l'habitat dans les centres-villes, mais aussi avec la volonté d'une partie de la population d'échapper aux nuisances urbaines diverses. Mais quoi qu'il en soit, ces populations ont l'impression d'être stigmatisées, d'être en marge, de n'être pas bien considérées par un certain nombre de politiques qui sont menées, comme on a pu s'en rendre compte, notamment à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, qui vient largement de ce sentiment de la part d'une population d'être reléguée. Mais ces discriminations en termes de transport n'opposent pas que les urbains aux périurbains, hein, c'est-à-dire ceux qui habitent à distance des villes, hein, et qui vont y travailler. On les constate également au sein des villes, entre ceux qui habitent les quartiers dits prioritaires, quartiers socialement défavorisés, et ceux qui sont présents dans le reste de l'agglomération. On notera ainsi que dans les quartiers prioritaires, eh bien, la population s'avère plus immobile et s'avère également plus contrainte de se déplacer sans des voitures qu'elle possède moins. Une mobilité qui apparaît ainsi discriminante et des discriminations qui ne favorisent pas ainsi l'intégration de ces populations qui s'avèrent finalement plus repliées sur les quartiers où ils vivent. Alors une inégalité face au transport pénalisante en termes d'intégration sociale, pénalisante aussi en termes d'intégration économique. En effet, on voit ici qu'une part non négligeable des Français doit renoncer à des emplois faute d'être en mesure d'être suffisamment mobile pour les assumer ou tout simplement pour se rendre à un entretien d'embauche. Alors ajoutons pour finir que cette mobilité est aussi à examiner en regard de la révolution numérique qui offre une voie nouvelle pour limiter la mobilité en développant le télétravail ou le commerce en ligne. Mais cela suppose une bonne couverture du réseau numérique Internet, du réseau à très haut débit, réseau qui s'est quand même considérablement développé et étendu ces dernières années à travers les efforts d'un certain nombre de plans mis en place par l'État. Pour autant, là aussi, des inégalités, des discriminations géographiques existent, comme on le mesure sur ce document, où on voit ici que l'accès à la 4G varie en fonction de la taille de l'agglomération et que dans les petites communes rurales, eh bien, finalement, cet accès est loin d'être systématique. Des zones blanches demeurent dans le territoire et c'est à l'État et aux collectivités territoriales de faire face à ces inégalités et globalement d'essayer de proposer de véritables solutions pour permettre un développement durable.